Donc elle a été mise en service en 1971. Bon, quelques caractéristiques techniques, il a une hauteur de 85 mètres, un volume de la retenue au début de 380 millions, mais à cause de l'envasement, la capacité actuelle est de 312 millions, donc la vidange de fond, une vacuature de puits principale, une vacuature de puits secondaire. Oui. C'est le système pour créer des Des ce village, ce barrage. Avant, c'était l'eau qui vient de la montagne et qui descend, qui passe le long de l'ouest et qui fait des dégâts très importants de part et d'autre, des érosions hydriques sur les parcelles, etc. Et donc, la construction du barrage a limité ces problèmes-là. Mais donc, on fait des lâchers de cette eau pour irriguer. Et sur le long de l'ouest, nous avons des digues fusibles, des barrages. Nous avons un office qui s'appelle l'Office national de la sécurité, de la santé, de la sécurité des produits alimentaires qui s'occupe de la palmerie et d'autres espèces. Mais ce n'est pas l'office qui fait le travail, c'est plutôt les propriétaires qui demandent à ce qu'on leur donne un produit pour traiter, etc. On ne fait pas de traitement collectif. Ils cherchent d'autres activités annexes. Donc le secteur le plus favorable pour y investir, c'est le tourisme. Donc je vais être bref parce que mon collègue a pris beaucoup de temps pour parler. Donc on aura le temps de parler du tourisme. Maintenant, je vais parler d'une infrastructure, des efforts fournis par les acteurs locaux et par l'autorité et aussi par les secteurs concernés, à savoir le tourisme, justement pour développer le tourisme et accompagner les jeunes à créer leur projet. Donc, actuellement, on compte 9 établissements. C'est une activité qui commence à se développer au niveau de Fouz. C'est un tourisme de couleur. Un très bon séjour. Je me présente Sfiri Hicham, directeur provincial des eaux et forêts et de la lutte contre la désertification de Rachidia. J'ai le grand plaisir aujourd'hui d'exposer devant vous ce panneau qui résume un petit peu les différentes activités de la direction provinciale. On commencera tout d'abord par les données forestières. Donc la superficie forestière elle est d'environ 62 775 hectares. Les essences forestières. Lina Ahmed, c'est des questions qu'on doit se poser dès maintenant. On a des espèces autochtones. Pourquoi aller à partir des produits locaux. Voilà. Alors, plus, l'effet de l'espèce,
C'est plus que les, ce sont des herbacées ou des arbustes. C'est un arbre. Si vous voyez, les racines, des arbres. Ah, ils sont pivotants profonds. Le problème. Ils bouffent de l'eau. بشكل ما تصورش طريق تماريك صراو اللي جاينا احنا من استراليا وكذا ما يعملوه بور لا سيشمون دو كازون هيدرومورف واحد احنا مثلا سي جامي انت غدوه وممكن نوصلوا لها يوم من الايام انا نغرس في تماريك كون جو بو بلونتي اون بلانت مثلا ما نعرفش كي بو رابورتي كيلك شوز علاش ما نغرسهاش في بلاصه تماريك اذا كان سي بوسيبل هذيك انتهى ما عادش نجم تغرس معاه حتى الارموز لا الارموز بلونش الارموز بلونش انا سي الارموز انا بال لا بومير هي بلونش واش كاين اون في دي اكستراكسيون دو ويل دي انا ما نعرفش واش كاين هنا ما نعرفش واش كاين هنا واش شفت واحد وهو طالع شنو هو المشكل اذا كان هذا لي سبيس هذه ما نعرفش هذه تشبه الارموز هذيك العكاية بياسر العكاية هاي ما هو صورت تريبليكس هذيك مركبة إذا كان أخرى بحالها مركبة كان غير ما هي مركبة لا لا سكي با سكي سكي ما سي لا تكنيك تاع الفراك باش درتوه Je m'en vais, c'est un peu sur la.